Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de débloquer vos camouflages Dark Eater facilement et tranquillement parce que vous allez pouvoir faire des tirs tête avec vos armes sans difficulté parce que les zombies vont tout simplement rester AFK devant vous. Alors pour réaliser ce glitch, c'est très simple, vous avez juste à vous rendre sur la map Fire by the Z, ensuite d'aller dans l'héliport, et là à l'héliport, il faudra monter sur le petit sac de sable que je montre dans le gameplay, et quand vous serez sur ce petit sac de sable, là tous les zombies imitateurs et même les massacreurs seront figés, ils ne bougeront plus, ils ne vous détecteront plus. Donc si vous êtes à deux dans la game, bah là ça enverra tous les zombies sur l'autre joueur. Par contre si vous êtes solo, bah là les zombies figeront parce que tout simplement ils ne détecteront aucun autre joueur. Donc de là bah, vous allez pouvoir tirer dans la tête des zombies, tuer les zombies imitateurs ou les zombies massacreurs qui sont compris comme des zombies élites. Donc vous allez pouvoir progresser dans vos camouflages Dark Eater très rapidement et très facilement. Donc voilà, le seul truc qu'il faut savoir, c'est que quand le zombie est trop près de vous, si vous mettez sur le sac de sable, ça ne fonctionne pas. Parce que le zombie est trop près de vous et il vous détecte. Donc prenez une certaine distance entre vous et les zombies pour réaliser le glitch. Alors pour réaliser le glitch, il faudra juste aller sur les lattes en bois, puis vous décaler sur la droite sur le sac de sable et logiquement ça devrait fonctionner très facilement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mec et ciao. Peace.